direction Bokanda. Sur les traces ou dans les pas du ministre Kakabe Kwadiokona Bertin, à la découverte de l'orchestre du père Kakabe, l'orchestre qui, durant des décennies, a fait la fierté de Bokanda. Nous suivons donc l'histoire avec le débat ivoirien, l'orchestre du père Kakabe. Donc nous sommes là pour vous présenter les instruments de musique de l'orchestre Teki Jazz. Nous sommes là dans les années 63-65. Tous ces instruments donc, étaient donc les instruments de Teki Jazz. On m'a dit que le père de notre ministre était percussionniste, donc il jouait de cet instrument-là. À l'époque, vous voyez les guitares, c'est des guitares électriques. Il n'y avait pas de courant, mais c'était sur des moteurs. C'était sur des moteurs. Alors, nous avons monsieur... Voilà, lui, il est encore là, il est chanteur, il est encore là. Il va pouvoir nous fredonner un bout de chanson. Alors, ils étaient 13. Ils étaient 13. Quand le ministre vous dit, j'ai une partie à Lakota, l'histoire peut s'expliquer ici. Le père, membre de l'orchestre qui fait des tournées, se retrouve à une occasion à Lakota. Vous imaginez la suite. Quand on vous dit, je ne comprends pas pourquoi le ministre aime chanter et il chante parfaitement bien, nous pouvons trouver aussi une explication ici. Notre projet, c'est de faire la promotion, n'est-ce pas, de ces instruments. Pour dire qu'aujourd'hui, certes, nous n'avons plus de cacao, mais nous pouvons justement, nous avons donc une richesse. Ces instruments constituent une richesse. Nous pouvons en faire la promotion. Une fois à Abidjan, nous allons essayer de retrouver ce que nous pouvons retrouver comme chanson, n'est-ce pas, comme composition de cet orchestre. Et puis au fur et à mesure, nous allons enrichir ce patrimoine. Donc, voici un peu ce pourquoi nous sommes ici. Monsieur le ministre a déjà, voilà, il va d'abord chanter. Ton nom c'est quoi? Oui, monsieur Kwasi Blafou Pierre. Il y a un micro? Non, allez, va le micro. Allez, vas-y. Chante un peu. Bon, il y a Mouli Diokanka. D'accord. Bon. Alors, est-ce que vous pouvez nous traduire un peu la chose qu'il a dit? Oui, c'est la lumière.
Oui. J'ai un répertoire comme ça, oui. Que le vieux a laissé avant de partir, mais sauf que s'il n'avait pas été à l'école sans doute plus loin, mais là c'est fini. Pour le temps, oui. Ça me vient à l'esprit avec des conseils. Commandant, vous dites quelque chose? Voilà, ce qu'il a dit, voilà. Est-ce qu'il peut nous expliquer un peu? Bon, alors, c'est le seul survivant du groupe. L'orchestre, n'est-ce pas, comprend 13 membres. Nous avons leur nom ici. Après ce grand découvert de l'orchestre du père Kadjabi, direction à Sansa, qui fera le bonheur de notre surprise. C'est un ministre très heureux d'être parmi ses parents, parmi ses frères et soeurs et de faire des dons. C'est aussi un ministre très heureux. Ici Bukandaoura, sa grande fanfare qui fera certainement la fierté du département. Il y a quelque temps, je ne sais plus exactement, je suis passé ici au village. À ton ouest. Quand on était petit, au Canada, c'est un seul village. Quand Bengas ou à part. Il n'y a pas de Moko à part, il n'y a pas de Bokanda à part, il n'y a pas de Zekedezo à part, c'est tout cela qui fait Bokanda. Et c'est nous, on appelle Abba. Abba, qui quand on bonne, Abba, tout le monde, la vie, rien. Bokanda, qui a gagné, n'ayant. Donc, si Dieu a fait qu'un d'entre nous, les deux enfants, est aujourd'hui ministre, son devoir, c'est de veiller sur toute la zone. Il n'y a pas seulement à Bamako et puis non. Je suis venu plusieurs fois avant, quand notre né Ibari Passi vivait. Il était un fierté. Tout le monde entier venait dans ce village. C'est comme ça que j'ai découvert la fanfare de Bengasu. Et tout le monde parle de cette fanfare. Et je dis bon, on va s'occuper de la fanfare pour qu'elle soit une référence à Bokanda et en Côte d'Ivoire. Pour que dans un an, dans 10 ans, les gens quittent ailleurs pour venir jouer la fanfare de Bengasu. Vous voyez, depuis un moment, il y a la fanfare de Daoukro. Quand on est là-bas, Kassalé, ils sont bien habillés, ils sont propres, et ils jouent bien. Donc on va faire la compétition bientôt, la concurrence. Et on va faire en sorte que la fanfare de Bengasu surplace toutes les autres fanfares de Côte d'Ivoire. Vous voyez, les bilans. Et quand on se prend, et même voilà Daoukro, parce que Béni et moi, on fait la rivalité, mais là, il ne faut pas parler. Et au président Béni, maintenant, nous, on n'a pas parlé pour Kanda, maintenant, tu vas voir. Déjà, quand vous venez dans l'habillement, là, quand on voit Daoukro, dit, attention, hein, Bengasu arrive. C'est pour ça que j'ai commencé par la tenue. Chaque membre de l'équipe doit avoir deux tenues. Et puis vous les gardez bien soigneusement. On va prier Dieu. Je vais cotiser un peu. Un matin, je vais trouver un quart bien joli, propre.
Si on vous a loué pour la Corogo, vous dites nous, on prend la Corogo à pied. On a un cas, c'est à la louer. Quand ils ont payé le prix, vous mettez à côté. Le jour où il tombe en panne, si moi je suis pour là, vous pouvez parler vous-même. Oui, bien sûr. Et on va avec le sous-préfet. Bon, vous, votre frère là, beaucoup est là. Beaucoup et moi, on est comme ça. C'est quand on est comme ça qu'on parle le même langage qu'on peut faire des choses pour les parents. Donc on va regarder s'il y a un espace où vous allez rentrer bien ou marquer bien. Tout ça, on va regarder avec le temps pour que ce soit une fanfare de référence. Donc j'ai commencé par la tenue, j'avais promis ça. Ça a pris un peu de temps, mais je suis là. Donc c'est la tenue qu'on avait vous donner ce soir. Fanfare de Bogans, on met des On est fait pousser. Voilà. La bien vous allez rehausser le nom de Bengasu. Moi, ma Bengasu, il commet un grand soir. Il a demandé quoi. Voilà, attrapez-le. Voilà, pas qu'il va l'autre comme il est. Ça va quoi, beaucoup de nous. Non, pas si gay. C'est un champion de Bengasu.